quelque chose est en train de se passer. Il y a des groupes de pasteurs qui sont en train de réfléchir pour pousser le gouvernement à poursuivre les prophètes de la nation. Un groupe de pasteurs qui est en train de faire ce travail. Amener le gouvernement à trouver des accusations contre ce que Dieu est en train d'utiliser pour éveiller l'esprit des gens, pour maintenir le peuple en éveil spirituellement. Ces pasteurs-là, animés d'un autre esprit, animés d'une autre pensée, sont en train de travailler à cela. Vous savez, dans le livre de Daniel, quand Daniel dérangeait trop et que ses collègues ont vu que ce monsieur-là, il dérange, ils ont d'abord cherché dans sa manière de travailler comment ils peuvent l'arrêter. Ils n'ont rien trouvé pour l'accuser. La Bible dit qu'ils sont allés maintenant chercher dans la loi de l'Éternel, dans la loi de son Dieu, pour pouvoir le prendre au piège. Et pour ça, ils sont allés voir le roi pour monter le complot. Le roi, ne sachant pas que c'est parce que les gars sont jaloux de Daniel, ils trouvent Daniel dérangeant, qu'ils sont en train de lui donner ce conseil, le roi va se jeter dedans, il va signer le décret. Le lendemain, ils ont pris Daniel. Même au regret du roi, ils ont pris Daniel. Quelque chose est en train de se passer. C'est un sujet à prendre au sérieux. Que Dieu fasse échouer leur projet. C'est les pasteurs. Quand je dis pasteur, il y a tout le lot de la bishop, évêque, quoi encore, prophète, les prophètes voyants, les bouches autorisées, hein? Les apôtres de nations, les prophètes de nations, parce que chez nous, hein, on est béni en Côte d'Ivoire. Hein? On a beaucoup de prophètes de nations. Ils sont beaucoup. Mais la nation même ne sait pas que d'après les gens, la nation même est étonnée. Tous les jours, les gens se forcent à prophétiser. Ils vont commencer à parler contre les prophètes pour attirer l'attention du gouvernement. Inciter le gouvernement à poursuivre ceux qui parlent vraiment par la bouche de Dieu. Donc, prenez ce sujet, priez. Que Dieu défende sa gloire. Et que cette nation puisse bénéficier de la lumière divine pour aller à sa véritable restauration. Amen. Je peux compter sur vous? Amen. Les serviteurs de Dieu peuvent compter sur vous? Amen. La nation peut compter sur toi? Amen. Sois fortifié. Et pendant que tu pries, que toute attaque contre toi échoue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.